Salut! Alors j'avais juste envie de faire une petite vidéo sur mes retours produits, en fait, les choses que j'ai finies. Je voulais juste en parler avant de les jeter définitivement. J'aime bien ce genre de vidéo, ça permet juste de faire un petit point tranquille, voilà. En premier, je vais te parler de capillaire. Donc en capillaire, j'avais ceci. Je sais pas si on voit bien. Donc c'était la hair mayonnaise. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Je l'aime bien, mais sans plus. C'est pas encore le masque wow. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé un masque. Et si toi t'en connais un, alors s'il te plaît, éclaire ta copine, mets-le dans les commentaires parce que j'ai hâte de tester enfin un masque qui soit digne de, voilà, qui soit digne de nos cheveux. Il était bien, mais on peut faire mieux. Lui, c'est un prépoux. Il était top. Mais là, j'essaie de faire un peu plus attention à ce que j'ai sur mes cheveux, dû justement à ma chute. Ouais. Il était bien, mais je ne vais pas le reprendre. Parce qu'en termes de prépoux, on peut juste mettre des huiles et enfin faire nos trucs nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est vrai qu'il était bien. Non, on va pas le racheter. Sinon, pour le visage, alors, j'ai j'allais dire ce bain moussant. Ma mousse nettoyant de visage, je l'aimais beaucoup. Alors, sache que ma peau, alors, si tu dois avoir ma peau, j'ai une peau mixte, sèche, je crois. Et voilà. Oui, elle est mixte. On voit bien que je brille déjà ici. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Alors, on m'avait dit qu'en fait, la pompe comme ça, c'est pour que ça sorte en mousse. Il faut mettre un truc genre qui assèche la peau. Moi, j'ai pas eu de problème. Et pourtant, j'ai une peau ici qui tiraille. Zéro problème. Je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté à la NHA et je pense que je vais la racheter. Sinon, en termes de visage, j'avais aussi cette crème. Non. Alors, c'est un fond de teint Kiko. Alors, c'est vieux. Hein. C'est vraiment vieux. Il est plus bon du tout. Mais je me suis rendu compte en faisant du tri que je l'avais toujours. Donc, je vais le jeter. Bon, il est fini. Hein. Mais il était bien, jusque après on a enfin trouvé des teintes. Ils ont enfin compris que les noirs avaient des teintes, mais aussi des sous-teintes, et que ça c'était très important. Alors lui c'était mon premier fond de teint, il était bien, mais on peut faire mieux. Et en fait après il y a eu justement Rihanna qui a sorti Fenty, et du coup toutes les autres marques ont enfin... Parce qu'il y a des marques qui avaient déjà nos teintes, mais qui ne les mettaient pas en avant. Et il y en a qui ne les avaient pas, qui les ont juste créés. Donc maintenant, je peux trouver quelque chose qui soit un peu plus proche de mon teint. Du coup, ce n'est plus, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Mais si vous trouvez vos teintes, franchement, moi, ça a l'air pas cher. En tout cas, c'est un bon moyen pour commencer le maquillage. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors ça, cette crème, c'est la crème de ma vie. Je l'aime trop. Je l'utilise depuis des années. J'en ai encore trois là qui m'attendent. Parce que je ne la trouve qu'en Allemagne. Du coup, c'est vrai que quand je vais là-bas, je suis obligée d'en acheter. Elle est top, bien grasse pour ma peau. C'est parce que contrairement à ce qu'on pense, les peaux grasses ont besoin de gras. Ça, c'est une crème aussi que j'avais acheté, une crème hydratante que j'avais achetée en Allemagne. Parce que si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis à la recherche désespérée. Enfin, j'étais à la recherche désespérée de crème. Nul. Amour de ma vie. Je sais, ça se voit pas tout de suite. Attendez. Amour de ma vie. Mais j'ai appris qu'en fait c'est un traitement, donc en fait je peux pas l'utiliser en continu. Mais c'est la seule crème qui a sauvé mes cheveux. Ma peau, franchement, c'est... Je pense qu'en fait il faudrait que j'ai celle qui est sans SA. Ouais, il faudrait que j'ai la normale. Mais celle-là... Love, love, love. On va parler Déo. Alors, lui, il était top. Il était bien. Je l'aimais vraiment beaucoup. Lui, alors je l'ai eu parce que j'avais oublié mon déo, donc je l'ai acheté. Alors c'est un anti-odeur, c'est sûr, il sent super bon. Mais par contre, c'est pas un anti-transpirant. Et en réalité, il faut transpirer, transpirer, c'est bon. C'est comme, c'est un phénomène naturel qu'on n'aime pas, mais il sent vraiment bon en fait. Mais bon, il est pas sans alu, il est pas sans ci, il est pas sans ça, donc c'est pas quelque chose que je vais acheter, mais il sent pas. Et la Sanex, lui, je l'aimais beaucoup. Il est fini, il coûte cher, mais niveau efficacité, il est top. Là, j'ai un clinique. Oh, je l'aime pas du tout. Alors que lui, top. Oui, vous allez vous dire que j'ai dit que ça c'était cher et j'ai acheté un clinique. Ouais. J'étais en Espagne. En Espagne, c'est moins cher. Je me suis dit, oh, et sa clinique. Ouais, non. Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui prend toujours des compléments alimentaires. J'adore ça. Vous savez, on a tendance, on se dit que tout est dans notre alimentation, mais notre alimentation de nos jours est tellement appauvrie. Les terres sont appauvries. Même les animaux, maintenant, on leur donne des compléments alimentaires.
Donc, vous croyez vraiment que c'est vous qui n'en avez pas besoin? Non. Moi, je prends parce que, voilà, je vais être au top. Et vous voyez, malgré que je prends, j'ai des carences tellement pour vous dire qu'on est dans la merde. Donc là, c'était fer et vitamine C. Donc ça, j'ai commencé à prendre dès que j'ai su que j'avais une carence en fer. Et là, c'est des multivitamines. J'achète ceux-là en Allemagne. Ils sont pas chers en Allemagne. Vous pouvez acheter des compléments alimentaires comme ça pour 2 euros au supermarché. Je ne peux pas vous garantir leur qualité. Mais bon, ça fait du bien au moral. Un autre truc que j'aime beaucoup prendre, c'est ça. Je t'ai déjà fait une vidéo. Je t'en parle ici. Alors lui, il est top. Il y a beaucoup de biotine. Donc forcément, pour nos cheveux, c'est top. Et en fait, il y a beaucoup d'antioxydants. Lui, il est trop bien. C'est juste que pour l'acheter, en fait, il faut être en contact avec certaines personnes. Bonjour. C'était français, ça? Pour l'avoir, il faut être en contact avec certaines personnes, en fait. C'est pas vendu en supermarché ni en grande surface. Mais quand je prends ça, mes ongles, ma peau, mes cheveux. Et je le sens aussi quand je l'ai plus. Mais franchement, le Beauty Boost, il est top. Je vais vous mettre le contact si vous voulez vous en procurer. J'ai un contact pour l'Hexagone et j'ai un contact pour la Guyane. Et franchement, eux, ils sont super bons. Vous ne regrettez pas. Et pour finir, j'avais acheté le collagène My Protein. Alors d'habitude, j'achète. En fait, d'habitude, c'était que la deuxième fois. J'avais acheté du collagène, mais une marque américaine. J'aimais beaucoup, mais c'était cher. Donc j'ai voulu tester quelque chose de moins cher. Mais en fait, My Protein, je suis pas trop sûre de leur qualité. Ils sont. Tout n'est pas certifié. Tout n'est pas. Enfin. Moi, je sais que les gens musclés, ils sont pas très fans. Donc je ne vais pas racheter. Surtout que j'ai voulu être fancy, prendre vanille. Mais franchement, vaut mieux prendre des trucs sans flavor, sans parfum. Parce que du coup, je la mettais dans mon café, mais ça a juste trop de goût, c'était trop sucré, c'était trop. Ah non, non. Donc le collagène, je ne pense pas que l'on rachète ici. Si toi, si tu prends du collagène, dis-moi où tu en achètes. Le collagène, en fait, c'est bon. C'est bon pour la peau, les cheveux, les ongles. En fait, c'est une protéine normale comme on a déjà. Mais avec la vieillesse, avec le temps, avec le stress, la fatigue, tout ça, on en produit beaucoup moins. Et en fait, c'est comme la glu, c'est ce qui tient tout ensemble. Donc quand vous prenez du collagène, ça vous aide pour vos rides. Pour l'élastique de vos cheveux, pour vos. Franchement, le collagène, c'est un des trucs à prendre. Ça aide aussi pour la cicatrisation. Je suis quelqu'un qui cicatrise très mal. Putain, si tu écoutes toutes mes vidéos, tu vas te dire, mais fiche que cet enfant-là a des problèmes, hein? Oui. Donc voilà, le collagène, en fait, c'est quelque chose qu'on produit naturellement et en avoir en supplément, c'est quand même bien, surtout quand tu commences à prendre de l'âge parce que votre copine commence à avoir. Elle va sur les 30 ans, là. Je sais, je les fais pas. J'espère que c'est ce que tu t'es dit. Enfin bref. Voilà. Donc, je vais racheter du collagène, mais pas, je pense pas que je vais racheter chez eux. Ou si tu me dis que chez eux c'est vraiment bien, je vais peut-être racheter chez eux. Parce que pour le coup, c'est vraiment pas cher. Enfin voilà. Dis-moi dans les commentaires si l'un de ces produits tu les utilises, si tu les aimes ou si tu ne les aimes pas. Et je te dis à la prochaine. Bye.